Alors bonjour, bonjour chers amis, chers élèves, bonjour chers parents, chers professeurs et tous les membres professionnels de l'école Rayon de Soleil. Je m'appelle Patrice Michaud, je suis auteur, compositeur, interprète et j'aurais beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui. Mais à l'heure qu'il est présentement, je suis en train de monter sur la scène de la Fête des Neiges au parc Jean-Drapeau à Montréal. Donc, c'est impossible de me séparer en deux. Je suis un être entier. Et si je vous fais cette petite vidéo-là, c'est parce que l'être entier que je suis, d'une part, est un bon ami de la professeure Nathalie Roy. Et d'autre part, je suis très touché par la démarche qui est celle de l'école Rayon de Soleil présentement, qui est une petite école qui offre donc un service d'éducation, une proximité extraordinaire avec ses élèves. Je suis Gaspésien, moi je suis d'origine Gaspésienne, je suis né à Capshaw. Et puis chez moi, comme chez vous, il y a beaucoup de petits villages avec à l'intérieur de petites écoles qui ont du mal à garder leurs portes ouvertes parce que la population est en décroissance et les jeunes aussi. Et puis ces petites écoles-là sont constamment à risque de fermer leurs portes et c'est toujours très très... Ah, attendez un petit peu. Mon papa, il travaille, mon cœur. J'arrive tantôt. Oui, j'ai deux enfants en bas âge, dont mon garçon, Loïc, qui a 2 ans et demi, qui a chanté avec vos étudiants d'ailleurs il y a quelques jours, quelques semaines de ça, parce que je les ai parlé via Skype et mon fils est entré en couche dans mon bureau et a chanté une chanson avec moi et avec tous les élèves. C'était magnifique. Vous n'étiez pas là, vous avez raté quelque chose d'extraordinaire. Pour en revenir à nos moutons, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je connais cette situation-là. Chez nous, il y a beaucoup de petites écoles qui ont dû fermer leurs portes. Il y en a qui se sont battues beaucoup aussi pour demeurer ouvertes et qui le sont toujours aujourd'hui. C'est extrêmement important pour une communauté et pour les communautés des villages autour de conserver leurs établissements scolaires, aussi petits soient-ils, parce que ce contact-là que vos étudiants ont avec leur professeur. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi important que la proximité que ces enfants-là ont eue avec vous, les parents, entre 0 et 5 ans. On le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se placent chez l'enfant à ce moment-là. Et ils ont besoin d'être bien encadrés, bien sécurisés et aimés. Et les petites écoles sont extraordinaires pour ça. Il y a présentement, depuis 2011, chez vous, un beau projet à l'école Rayon de Soleil qui est celui de donner des cours d'espagnol. Et ça marche bien. Ça pourrait marcher encore mieux cette année. Ils ont un nombre minimum d'inscriptions à atteindre et nous y sommes presque. Donc, je vous conseille, l'espagnol, c'est une langue qui se parle partout dans le monde, là. Vous allez en avoir besoin un jour ou l'autre, hein? Et puis, je souhaite que ces cours-là se poursuivent, hein, pour le bien de tous et qu'il y ait cet achalandage-là essentiel. Dans votre magnifique petite école. Je vous souhaite une très belle journée, porte ouverte. Je souhaite longue vie à l'école Rayon de Soleil, afin de pouvoir mettre plein d'idées neuves dans la tête de vos petits rayons de soleil à vous. Merci Nathalie, hein, de m'avoir proposé cette participation. Ça me fait plaisir. Merci à tous les étudiants aussi, aux parents et aux organisateurs, organisatrices de cette belle journée. Là-dessus, je pense qu'on a droit quand même à une petite chanson de ma part. Alors, j'ai ici une guitare. Ça paraît pas, mais j'en ai comme 12, mais je prends tout le temps la même. Fait qu'à un moment donné, ma blonde a fait bien de me dire que je devrais peut-être en vendre une coupe, tu sais, mais je suis pas rendu là dans mon développement personnel. J'ai une chanson que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mécanique générale. En espagnol, ça donne Mecánica General. Tu avais les ongles longs, j'avais les ongles courts, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont. Croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon
gris. Pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque, Icar cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, la peau de mescaline, reste là encore quelques minutes pour me dire, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Ok, juste les élèves maintenant. Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont... Vous chantez bien. Oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Bonne journée. À bientôt. Oui, j'arrive, mon gars.